Record. Oui, c'est Record. Bonjour à tous, ici Limpnou. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, un épisode 6 de Just Cause 3. Bienvenue. Et on se retrouve donc pour la suite de notre aventure. Et vous le voyez, ça là, ça a l'air bien sympathique pour la simple et bonne raison que je l'ai libéré en live. Et oui. Ah, les barbelés me font des dégâts. Ok. Bon, ça va. Bref, voilà, j'ai libéré des trucs en live ces derniers temps pour pouvoir justement continuer plus facilement et faire l'histoire avec vous en épisode. Et comme vous voyez, j'ai libéré toute la province de Lakos. J'ai commencé Lavanda, mais c'est un peu compliqué. Vous voyez, il y a encore une ville. J'ai libéré celle-là. Oui. Il reste une ville et peut-être un avant-poste ici. Mais bon. Bref, on verra bien. Pour le moment, ce qui m'importe, c'est de faire des missions principales. Et on va aller sur le secret de Vice-Electra. Où qu'elle est, elle est là-bas. Allez. Bon, du coup, sur le chemin, on risque pas de se faire choper par les... la milice ennemie. Pour dire les deux camps, on a les rebelles de notre côté. Les rebelles de la population qui sont rebelles justement et qui se rebellent pardon et qui ne cautionnent pas les faits et gestes du général. Et les gars du général s'appellent comment? Les milices ennemies? Les ennemis? Les rebelles ennemis? Je ne sais pas. Dites-moi si vous savez. Je sais pas trop en fait quoi. Ça se destroyait. Hein. Ouais, d'accord. Si, ça marche encore, je te préviens que si, ça marche encore. J'ai dû baisser la qualité du jeu pour le stream. Et je sais pas trop encore pourquoi, enfin je fasse des recherches là-dessus. Vice Electra. Ouh, mais c'est où ça là? Alléluia. Alléluia. Je meurs ou pas? J'ai pas envie d'essayer. Ouais, je vous ai fait croire que je voulais tester, hein, mais non. Bonjour. Le secret de vie sélecte. Ok. Bien, oui. Oh, je sais pas. Oh. J'ai calculé que les câbles de vie Electra s'arrêtent quelque part par là. Il y a une électrique pour la super arme du général Diravé. Si tu le détruis, on devrait pouvoir désactiver l'arme. Avec très grand plaisir. Bonne chance. Bien. On va faire kaboum encore aujourd'hui. En même temps, c'est le titre de la playlist, donc qu'est-ce que vous vouliez? Oh oh. On va suivre les tuyaux. Suis ces tuyaux, Rico. Oh oh. Je ne suis plus Rico Rodriguez, je suis Mario le plombier. Là-bas. Wouh! On va y aller comme ça. Qu'est-ce qui se passe après les tuyaux, Dima? Détruis le centre de contrôle et tu désactiveras les missiles qui protègent Chimaleon. Je pourrai accéder à la base et pirater la console de commande militaire. Là-bas. Ouh, y a des gars là-bas. Je sais pas si c'est les nôtres, mais y a des gars. Y a des gars. Je sais pas qui c'est, mais y a des gars. Les bateaux ont l'air bleu, ça doit être fini. Ah non. Mais y a des bateaux ici. Y'a plus des bateaux! Attends, attends, monte ta tête, voilà. Faut que je tue lui là-bas. Les trois guignolos là. Oh, mais c'est pas précis ce terme de merde aussi. Non, mais essayez de m'approcher, mais.
Mais arrêtez de bouger, vous êtes chiant. Oh. Reviens. À moi. Oui. Meurtre comme accident. Quoi, il y a un cadavre dans le bateau? Mais non, on rabâche pas. Oh, et il faut... Ok. Vous êtes pas prêts. Les claustros de l'eau, vous êtes pas prêts. Une seconde, Rico. Je vais forcer l'ouverture de la porte. Voilà, tu peux entrer. Mais bah attends. Suis ces tuyaux, Rico. Voilà. Ah, vous êtes pas prêts. Hein. Putain. J'ai du mal à reprendre son souffle des fois. Et surtout qu'on n'a pas de barre. En fait, ça c'est un alors, je sais pas si c'est un point négatif ou quoi, mais moi ça me dérange un peu. Le fait qu'on n'ait pas de barre de vie et pas de barre de respiration, c'est... Hola! Que tal? Me llamo Mario. Mario Rodriguez. Ouais. Des amis à toi, Dima? Oui, voilà. Des amis? Non, pas le temps. Des collègues, peut-être. Mmh. Ok. Bien. Ah bien, Rico. Le nœud électrique doit être dans la pièce suivante. Dans la pièce suivante? De quoi tu parles? De ça, là-bas? Détruis tout. Ça neutralisera la super arme une bonne fois pour toi. Wow! Pan 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 pan. Aïe 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 aïe. Bobo bobo bobo. Cache-toi. Ah, il a un fusil à pompe. Encore kaboum. Oh, vous êtes chiant à force hein. Ne va pas là-bas. Bah non, ne va pas là-bas, mais il est con, lui. Bon. Je mets fin à tes souffrances. Non, non, attends, je mets fin à tes souffrances. Voilà. Kaboum! Putain, mais ça veut pas kaboum. Hein. Bon. Trop loin, comment ça, trop loin? Je m'emmerde. Là, je suis pas trop loin, là. Vous m'entendez plus, c'est normal, moi non plus, je m'entends pas. C'est ça, reste là-bas. Oh, la super arme a été neutralisée. La rébellion peut entrer dans la base de commandement de Chimaleon. Au travail, Dima. Wow. Saleté de pipeline. Le bon succès Steam qui fait plaisir. MDR. Oui. Oui. Alors maintenant, on doit où? On doit aller où? Là-bas. Là-bas. C'est où là-bas? C'est là-bas. Okay. Ouais, le c'est où là-bas? C'est là-bas. Je sais que c'est pas fameux, mais bon, j'ai trouvé que ça. Voilà, bon. Je sais pas du tout combien, enfin je... Jusqu'où à peu près je vais pouvoir aller en ayant libéré tout ce que j'ai fait en stream. Ça se trouve je vais peut-être plagier. Oh plagier. Oh je crée au plagier, pardon. Je sais pas combien de missions sont... C'est quoi? C'est un hélicoptère? Ah non, c'est une base. Oh 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 oh. Attends, il y a peut-être... Peut-être un truc là-haut. Oh, oh. On va regarder là-haut.
forcément quelque chose ici. Vive la révolution! Exactement. Y'a pas quelque chose là-bas là? Oh, Rico, tu passes pour un abonné. Y'a rien là? Bon. Alors, ouais, c'est une base. C'est une truc pétrolière en fait. Bon, le truc est là-bas, on va pas se faire tuer. On va y aller. Oh, oh, peut-être qu'on va devoir libérer ça. Ce serait cool. En vrai, j'ai libéré 2 villes, 3, 4 bases. En une heure, hein, donc. J'ai fait qu'une heure de stream, j'ai libéré quand même une province et puis une. 2-3 villes, enfin pas mal de trucs. Eh eh. Conflit d'intérêts. Ah. Hey, c'est toi, Luch? Ça dépend. Qui le demande? Dima m'envoie. Oh, alors c'est moi. Ah, non, lui, c'est pas. Pugilator Nord, c'est sur la rive d'en face. Je cherche le scanner de Dima, c'est ça? Oui. Dommage. C'est une aiguille dans une énorme botte de foin. Bonne chance. T'en auras besoin. Tu me sers à quoi? Luch. Hey! Je dis les choses comme elles sont, moi! Non, mais tu me servais à quoi? Sérieusement? Enfin, Mario, j'aurais pu le pousser dans l'eau, ça aurait été la même. À part me piquer ton bateau alors que tu ne m'en as même pas, tu me l'as même pas autorisé. Sérieusement, tu m'as servi à quoi? Bon. C'est gros, c'est. Bon. Bref, c'est gentil. On va voir, mais à mon avis, il ne me servait strictement à rien. Dima, il ressemble à quoi ce scanner? Un appareil portable, pas bien grand, qui ne ressemble à rien pour rester discret. C'est embêtant quand on le perd. Fouille les conteneurs de stockage dans la base. Tu veux jouer? Attends, tu veux jouer? Enrico, mais arrête, qu'il est con. Oh là là. Tu veux jouer? Viens, on va jouer. Voilà, on a joué. T'as perdu. Aïe. Il y a des trucs qui vont me tuer. Il y en a d'autres aussi qui veulent me tuer. Tu es un frère. Un frère désert. Pourquoi tu veux m'abattre? Espèce de con. On va faire les petits trucs, hein, attendant. Les petits trucs, MDR, ce sont les plus gros de la base. La maniabilité aussi, que ce soit des véhicules, même de Rico des fois, est très très mauvaise. C'est des trucs qui sont vraiment chiants. C'est plutôt facile comme base. Les rageux diront hélico, mais non. Bon, ça là. J'ai fait cracher l'hélico ou comment ça se passe? Eh, c'est bon, à force. Ça suffit? Même pas. Bon. Non, mais, regarde l'état de l'antenne, elle est intacte. Non, mais. Si ça c'est pas du forcing, eh. Voilà. Voilà. On va mettre un autre. Ah si, il y a quand même un petit peu. Bon, ça va alors. Et je peux même rester au milieu. Voilà. Bon, au bout d'un moment. Je veux bien, hein, mais c'est un peu blindé vos trucs quand même là. Hein, c'est.
peu du foutage de gueule quand même. Voilà. Ah. J'étais même pas sur un sur une mine à C4. Pourquoi? Mais nique ta mère! Pardon. Excusez-moi, mais... Mais nique toi! Oh! Oh non, c'est pas l'autre Bouboum qui va me faire chier, attends, eh oh! Ah. Donc, elle a pas du tout les mêmes délires. Allez, donne-moi ça. Donne-moi ça. Bah oui, mais non, mais... Enfin, y'a un mec, y'a encore ton teammate dedans, enfin, tu tires pas dessus à un moment... Ah, si, apparemment... Pas moi. J'ai paniqué. Allez, donne-moi ça. Ah, mais ils sont vraiment cons. Hein. Ils sont vraiment cons. Hein. Mais... Vous avez votre collègue dans l'armée qui est dans son hélicoptère. Bon, ok. Un ennemi avec un grappin comme moi, déjà c'est surréaliste, c'est impossible, se met... se met à accrocher le... Bah oui, merci, mais c'est... Mon étagère ! À accrocher l'hélico de votre pote. Bon. Ok. Vous faites quoi ? Vous avez un lance-patate, vous tirez dessus ou pas ? Mais regardez-les, bande de cons ! Vous êtes débiles ! C'est toi. Voilà. Y'a plus. Là, je fais 1, 2, 3, 4. Il faut 5 tours de souris pour faire un demi. La moitié d'un demi-tour. Et merde. Bah, par contre, si t'as un foum foum foum, je le prends. Mais les. Mais Rico, mais j'ai tellement l'impression. J'ai un petit de gueuler sur Link, j'ai failli faire. Hey Link! C'est bon? Vous avez pu me péter les couilles? Mais attends, je suis perdu là. Ok. Le mec est à la ramasse. Radar Doppler. En tout cas, c'est comme ça au moins. On est sûr que s'il y avait du monde, il n'y a plus personne. Un truc qui casse là. Attends. Sort. Fail. Avance. Bon, c'est déjà mieux, c'est un peu plus sur le bord. Mais je peux plus tourner, bah comme ça au moins. Ah non, je ne peux pas quand même tourner. Bon. Sors. Ça pue la merde. Alors, je voulais pas casser l'autre côté. Ah non, le canon est intact. MDR. Il y a un truc qui vient de péter dessus, le canon est intact. Mais qu'est-ce que c'est nul ce truc. Oh là là. Bah voilà, c'est ça que j'aurais voulu. Mais bon, on va faire ça à la cool. Voilà. Eh, hey, mais c'est bon! J'ai arrêté d'appuyer! Je m'emmerde. Non, mais ce jeu, des fois. Forcé! Ah. Bonjour. Y'a rien là-dedans. T'as plus la merde! Merde, j'ai fail. Je voulais recharger, j'ai l'en. Bon, pas tant pis. Bon, vous avez plus d'antenne parabolique. Même si je suis pas sûr que ce soit celle-là que vous utilisiez, mais bon.
dire, il est où le sniper, mais en fait, je m'en fous. Je veux pas savoir. Alors, je vais déjà tout au bon bout. Et plutôt là-bas. Quand est-ce que tu meurs? Mais l'arme, elle a un recul dégueulasse. C'est mauvais. Ah non. Bon. Repli! Ah, bonjour. Peut-être pas tirer avec le lance-patate pour toi quand même. Sinon, vous vaut littéralement pas la peine. Attendez. Lance-patate! Bon. Viens là. Viens là qu'on parle. Voilà. Oh merde. Mais c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Alors, on va tenter quand même de faire quelque chose avec. C'est pas du tout là où je voulais aller. Ce truc là, mais c'est très bien ça. Ça, c'est parfait. Casse-toi là. Alors, on va déjà faire ça. Ça. Ça là. C'est débile là. Ça aussi. Ça aussi. Là, en poche arrière, tu vas faire. Y'a un problème? On va avancer. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas compris votre. Je n'ai pas compris votre problème. Veuillez réexpliquer. Bon, on va y aller. Hop, on continue. Tout va bien. On a un auto derrière là-bas. Wow, non mais elle a maniabilité. Là, allez, putain, 4 tapis de souris pour faire un quart de tour. Mais c'est quoi là? Mais tu forces. Ça là. On a des hélicoptères prêts à venir te soutenir. Très bien. Je sais pas où, mais si tu veux. Bonjour, excusez-moi. Je vous avais pas invité à la fête. Bonjour, où êtes-vous? Là-haut. Bonjour, il n'y a plus personne. C'est bon? Bon, je crois que globalement. Ah. Il y a encore un forceur là-haut. Déjà. Voilà, 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 allez, ça. Non, mais non, mais. Bonjour. Non. Pas là non plus. Ça sera dans le dernier, c'est, ça paraît logique. Hein, sinon. Bon. Oh, c'est là-haut. Voilà, attendez, on va faire ça là-bas. D'abord. Non, non, je suis pas là, je suis pas là. Oh oh! Non, ce n'est pas dans le dernier! Je l'ai trouvé! Dima! Il faut que tu places le scanner sur l'une des trois grilles à Chimaleon. Il repérera n'importe quelle trace de Bavarian graffiti. Alors, du coup, est-ce que comme je voulais. Comme ils m'ont demandé de pirater tout ça, ça a fait bugger la quête ou pas du tout? Bonjour. Merci, c'est très gentil. Mon Uber est arrivé pile au bon moment. Merci, gros. Ça fait plaisir. Allez, en avant. Non. Non. Retourne-toi, 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 retourne-toi.
J'ai le style, moi, au moins. Toi, tu l'as pas. Vous m'en prêtez un? S'il vous plaît. Vous m'en prêtez un? Ah mais il est déjà à nous. C'est pas grave, je prends. Mais du coup, attendez. Vous savez quoi, on va la libérer. J'ai commencé, on va en finir. Non, c'est ça le plan. Oh non. Oh non. Oh non. Ah, attendez, elle est où? Elle est là-bas. Nice. Rico, d'après ce que je vois, le scanner est instable. Il est peut-être abîmé. Ça peut exploser. Tu dois faire. Il va vraiment falloir qu'on discute de tes inventions, Dima. Ah oui. Je confirme. Entre le grappin qui risque d'exploser et le détecteur aussi, bon, c'est mignon, mais à force. Rico, j'ai besoin de ce scanner, mon pote. Si on contrôle le Bavarium, on contrôle Medici. Et puis tu sais qu'avec ce scanner, je pourrais certainement convaincre. Oui, mais attends, je m'en fous. Un peu plus les rebelles. Je vais voir ce que je peux faire, Sheldon. Approche, Rico. Je vais m'occuper d'eux. Ah mais je suis timé. Oh non. Je m'en fous si je le garde l'hélico, mais bon. Non, c'est juste que j'aimerais bien libérer cette base en fait. Ça me fait suer, voilà. D'avoir commencé et de devoir tout recommencer la prochaine fois. Attendez, elle est où cette truc là, à ma droite? Là. Ah non, c'est en dessous. Ah, je peux pas. Je peux pas descendre. Là. Ensuite. Tout droit encore. Voilà. Ensuite. Ah non. Ensuite. C'est tout? C'est bon. Alors peut-être que... Merde. Non, il va tenir, il va tenir. C'est bon, il va tenir. J'y crois. J'aurais pas dû y croire. File-moi un, file-moi un, file-moi un. Je vais n'importe lequel, celui-là. Tire pas dessus, tire pas dessus. Il tient. Il tient. Il tient plus. Normalement, j'avais dit de déployer le parachute, mais il l'a pas fait. C'est pas grave. Bon, j'ai 3 minutes pour aller à 2 km. À patte. Ok. Alors, de ce que j'ai vu, je me suis barré très vite parce que de ce que j'ai vu, je l'ai libéré à la base. Il n'y a plus rien dedans. Mais comme je dois être en pleine mission, je pense que c'est ça. Il veut pas me compter la base libérée comme l'étant. Mais bon. C'est pas bien grave. Ah, par contre, je chope toutes les montagnes que je peux parce qu'il faut aller le plus vite possible. Vous voyez, j'ai un timer au-dessus de ma tête, au-dessus de Rico. Bon, ça va être de grands épisodes, hein, pas fluide, dégueulasse, mais bon, voilà. C'est pas bien grave, j'espère en tout cas que ça... Voilà, c'est une série assez rapide, hein, je cherche pas forcément... à faire quelque chose de parfait, voilà, c'est une série un peu détente, rapide. Pas bien compliqué. Bah c'est sous les yeux. Ah mais non, mais vous me faites chier avec vos conneries. Je fais que passer. Je suis pas là.
Ok, j'y suis. Bon, place le scanner sur la grille près du silo à missiles. Si on détecte du bavarium raffiné, c'est que Diravelo a déjà mis au point une ogive au bavarium militarisé. Très dangereux. Ah, c'est en dessous. Ok. Waouh. Gros scanner. Ouais, gros scanner, on est content. Bon, why not? Oh, je sais exactement quoi faire avec ce scanner en miettes. C'est bon, Sheldon, j'ai le scanner. T'es où? Ok. Je prends. Bien joué, Rico. Je savais que je pouvais compter sur toi. Hey, viens, on va fêter ça au café Francesco. Il paraît qu'ils font des muffins à tomber par terre là-bas. Hein? Ça se tente. On continue, c'est pas encore la fin de la mission, j'attends la fin. Bon, je veux pas que t'es en plein milieu, hein, c'est comme. C'est comme un temple ou un... une créature divine dans Zelda, je trouve ça abominable de quêter au milieu. On continue à 700 mètres. Notre petite camionnette. Voilà. Papa. Mais qui voilà? Sheldon. Je ne doute pas un seul instant que tu veux créer un monde stable et empli d'amour. Tiens, voilà ton scanner. Merci bien. Et merci d'être passé. Ouais. Vraiment, et c'est moi, Rico. Ça vous fait rire comme il y a une vieille. Tu as adoré. Tu fais quoi là? Quoi encore, Mario? L'un des scientifiques de Diravelo voudrait déserter. Ah, une bonne nouvelle, enfin. Retrouve-moi à Lantuina. Et te fais pas remarquer avant que j'arrive. Pas de problème. Je serai discret comme un ninja. Ouais. Pas sûr, hein. Bref. Je vous dis merci à toutes et à tous d'avoir cette vidéo. N'hésite pas à commenter. Un pouce bleu, un pouce rouge. Si vous avez vu, je vous remercie. C'était la vidéo. On se retrouve très bientôt. Très exactement dans une semaine, même pour l'épisode 7. Bisous. C'était la nuit. Bah alors. Merde. On en a plein les pattes. Non, bon, ok. Tant pis. Ah, sois clair, c'est pas le bon.